Ok, alors, on est reparti, on va rouler en Peugeot aujourd'hui. Alors, je vais peut-être faire une course avant pour débloquer la bagnole. Enfin, la voiture bonus quotidienne. Campagne. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire des courses? Je pense pas. J'étais en Ligue Pro hier, j'avais fini ça. Ils sont bien tous là, mes trophées, ok. Mercedes, je ne sais pas du tout si j'ai. Je n'ai pas de Mercedes dans le garage. Nostalgie 1979. Je n'en ai pas de voiture non plus. Ça, c'est bien hard. Je vais laisser ça pour le moment. Et donc, Ligue d'endurance, ça va être trop long. Et en plus on a un X 2019, c'est une folie. Un endurance série. Non, je sais même pas combien de temps ça va durer quoi leur course. Faut compter minimum 2 heures, hein, logiquement c'est ça. Mazda, je n'ai toujours pas de Mazda. Ça c'est pareil, j'en ai pas non plus. Nistan, ok. Ah mais si je peux faire celle-là. Bon avec un. Tiens, allez hop. Je vais faire la course de Nissan. En plus de ça, j'ai des points miles, donc je vais pouvoir améliorer la bagnole. L'idéal, c'est quand même que j'avance un petit peu aussi dans les missions et compagnie. Enfin, mission, j'étais bloqué sur la piste de rallye. Donc, je vais peut-être pas trop m'entêter là-dessus, sinon je risque de rager. On commence en douceur, je vais repenter un petit peu ce soir. Alors, on va aller dans les paramètres de course. J'ai bien 2971 points miles à échanger, donc c'est parfait. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais faire hop, hop, hop. Ouais, il y a largement les moyens. Ah là, je peux pas. Ok, bah c'est pas plus mal. Enfin, c'est déjà pas mal, je veux dire. Ratio puissance, donc le niveau de puissance, je mets au maxi, je suis à 806 km, 806 chevaux, c'est énorme. Je sais même pas si c'est une bonne idée de la mettre à 806 chevaux. Je vais voir. Et là je mets moins 1. Elle roule à combien maxi? Transmission. Voilà. Elle est à 290. 260 chevaux. 260. Voilà, je confonds les chevaux et la vie et la puissance de la voiture. Okay, non, je vais mettre à 270. Il y a une belle ligne droite quand même. Ça donnait. Hop. Alors hier avec la Lambo j'avais le réglage parfait. Ouais, l'arrière a de la gueule sur cette bagnole, c'est énorme. Oh punaise, je vais recommencer. C'est des pneus sport. Je vais anticiper un peu, tant pis, je vais freiner vraiment assez tôt pour éviter de foncer dans le derrière
ça m'empêche pas de foncer comme dessus. Après, j'ai pas le modèle le plus récent, mais bon, elle en a quand même sous le capot. Elle en a peut-être un peu trop. C'est ça qui m'inquiète. Ah, puis c'est pas le circuit vraiment. Ils auraient pu faire un circuit un peu plus cool, quoi. Parce que là, ce circuit-là, c'est me plaît. Hein. Je suis pas encore habitué. Là. Ouais, non, mais elle freine pas assez la bagnole. Je vais mettre en moins 2. Plus de freinage sur les roues avant. Voilà. Bon. Peut-être accélérer là, hein. Ah non, c'est une folie, hein. Je suis sûr que c'est encore des pneus sport en plus, une bagnole qui fait 800 chevaux quoi. Faut un peu arrêter quoi. Elle freine de rien la voiture. Sur la route. Je suis désolé, hein, mais là pour franchement la course c'est une horreur. Ils auraient dû faire ça sur un autre circuit déjà pour s'habituer aux distances de freinage de la voiture. Et c'était, de toute façon c'est un problème récurrent. Hein. Sur les autres opus de Gran Turismo, c'était déjà ça avec la Nissan Skyline. Fallait vachement freiner avant. Elle était trop puissante par rapport au comportement sur l'asphalte. Quoi. C'est une très bonne caisse, mais à côté, faut vachement freiner avant. C'est pas normal. Hein. Elle est toute niquée la caisse quoi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai une voiture aussi esquintée que ça dans Gran Turismo Sport quoi. C'est vraiment dommage. Hein. J'espère que les autres courses seront moins pénibles. Il va falloir que je fasse peut-être quelques réglages. A voir. Alors. Merci beaucoup Georges, merci beaucoup aussi pour le follow. Tu joues un petit peu toi aussi à GT Sport. Ce que je pourrais faire, c'est diminuer la puissance et améliorer la tenue de route. Au final, elle est assez puissante pour dépasser les autres. Voilà, c'est assez simple, mais même là, le circuit hein, simple, aussi simple que ça, ça peut être merdique. Whatever.
Ouais, un peu. Ah bah c'est cool. Ça fait longtemps que tu joues ou pas? Parce que... Écoute, moi c'est GT Sport, c'est un jeu que j'adore, enfin j'affectionne beaucoup. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des joueurs de ce jeu, quoi, pour échanger quelques conseils. Salut Viva! Comment ça va? Alors là, par contre, j'améliore le truc. J'améliore la tenue de route. Tant pis. Alors là, tac. Parce que là, 806. Si on peut pas l'améliorer, c'est parfait. C'est parfait. Ah ouais, sport dur. Non. Sport dur, c'est abusé. Je vais mettre en sport moyen. Ouais, ça va, nickel. Nickel, nickel. J'essaye là la course de. Des Nissan Skyline. Non, Nissan en général. Hein. Mais la Skyline, je sais pas si t'as déjà conduit d'ailleurs, je voudrais savoir. Qui a déjà fait une course en Nissan Skyline? Voilà ce que c'est, les courses en Nissan Skyline, c'est ça. C'est noir. J'adore, elle est bien comme bagnole, mais elle est trop puissante, quoi. J'aurais dû aller. Franchement, c'est vraiment chiant, quoi. Allez, non, mais c'est abusé, quoi. Les autres, ils commencent à me dépasser, là. En plus, ils roulent comme des sagouins. Non mais il faut freiner vachement, c'est ça qui est chaud. C'est une bagnole qui est faite pour avoir des pneus course, pas des pneus sport déjà à l'origine. Maintenant je regarde mon message. C'est là. Alors. T'as pas un gros niveau? Ah bah attends, Georges avec nous, que ce soit Viva, puis d'autres followers qui jouent à GT Sport. Avec nos conseils, tu vas prendre un niveau rapidement. hein, Viva, tu peux confirmer. La première personne, je crois que je pourrais dresser la bête. Ah oui, toi, ouais, mais toi, tu joues en mode cockpit, c'est vrai. Mais c'est chaud parce qu'en fait, faut que tu anticipes le freinage. Hein. Viva. C'est ça le truc. Tu dois anticiper. Mais là, en fait, la voiture, la Skyline, ça a toujours été le problème par rapport à. La GTR par exemple, la GTR au niveau freinage, elle était mieux. Elle avait un meilleur comportement que la Skyline en finale. Elle était largement. Enfin, depuis le premier Gran Turismo, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Les Skyline, il fallait vachement freiner longtemps avant pour pouvoir prendre les virages correctement. C'est le problème de cette caisse-là, quoi. Pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi pourquoi Nissan a conçu une voiture aussi puissante qui freine pas. D'atteindre les 4. Ah ouais. Mais les 4000 chats. Mais c'est quoi? Parce que moi je connais pas ces points de chat. C'est quoi en fait? C'est juste les points. Mais comment tu peux avoir 4000 points de chat? Ça donne quoi? Enfin. Ça a l'air d'être quelque chose de. Enfin, je suis un peu largué là-dessus. Je savais pas qu'il y avait autant. On pouvait collecter autant de points de chat, quoi. Non? Punaise. Non, mais c'est sous le temps. Oh là là. Si je pouvais racheter une Nissan et puis. Genre la GTR, ce serait mieux, quoi. Elle va me saouler, la voiture. On va racheter une Peugeot après, de toute façon. C'est bon, ça reroule. D'ailleurs, Georges, depuis quand tu joues à GT Sport? C'est tout récent ou... On va y arriver, hein.
Oh, la dompter, faut peut-être du temps, mais. J'ai jamais réussi à la dompter cette voiture-là. Eh, j'hallucine, j'ai 9 secondes du deuxième. Alors, si je regarde, si tu regardes un live toutes les 5 minutes, tu as 10 points. En suivant la chaîne, tu as 300 points. Et avec les points, tu peux acheter une émote de ta. Oh punaise! Ah ouais, quand même, c'est excellent. Depuis la sortie du jeu! Waouh! Ah ouais, donc ça date, Georges? F1 2009. Oh, bah écoute, F1 2019. F1 2019. Ah merde, je l'ai pas. C'est con. Alors en tout cas, genre, je n'hésite pas à m'ajouter dans tes amis, dans tes contacts PSN et à rejoindre le Discord pour qu'on puisse jouer ensemble. Si t'as le PSN, bon, même de toute façon, le jour où t'auras le PSN. Je cherche des joueurs et là pour l'instant, bah tous les joueurs ils ont. Viva, il a pas le PSN. Bah Antonin, c'est pareil. Le jour où vous aurez le PSN, les gars, faudra qu'on se fasse une partie, hein, une petite course ensemble. Et F1, moi j'aime bien aussi les jeux de Formule 1. Hein. Et F1 2019, il est super apparemment. Je sais pas si tu peux me confirmer, mais j'ai entendu, j'ai lu de bonnes critiques sur ce jeu-là. Le 2018 était bien, mais le 2019 apparemment aussi pas mal. Ça va. Yes. Bon. Salut Antonin. Antonin. Eh tiens, petite question à toi Antonin. T'as déjà fait une course en Nissan en Nissan Skyline? Honnêtement, c'est une horreur. Mais c'est, sinon ça va quoi. À partir de mai 21 janvier, tu pourrais plus jouer car tu vas rester. Ok. Ok, bah c'est cool ça. C'est cool. Ah, nickel. Mais 2021, c'est normalement quoi. Mais bon, ouais, pas tout ça. De toute façon, on s'est ajouté. Antonin, tu crois pas. Ok. Bah, je te mets au défi de. Enfin, c'est facile hein, les courses. Mais en gros, la Nissan GT. La Nissan Skyline, pardon, par rapport à la GTR, c'est que l'adhérence, elle a pas d'adhérence sur la route. Elle est très puissante, mais elle a pas d'adhérence. Et avec des sports. Avec des smokes. Oh, mais j'ai pas réussi à dire. Des pneus sport. Non, c'est pas gérable. Alors, t'aimes beaucoup F1? Ah ouais, oh punaise, tu vas me donner envie de l'avoir le 2019. C'est le seul que j'ai pas. J'ai 2016, 17, 18, 19. C'est des bons jeux ça, c'est cool. T'attends le Grand Prix de F1 en mars. C'est en mars que ça débute? C'est aussitôt que ça hein? Merde. C'est aussitôt que ça le Grand Prix de Formule 1? Par contre je vais peut-être baisser du coup pour éviter de faire de la cata. Je vais la mettre à 750 chevaux. Je pense qu'il y a moyen de gagner. Il y a moins de gagner un peu plus. Ok. T'es mis sur Leclerc? C'est quoi ça? Le 4 mars. À chaque fois, j'y pense pas à regarder. J'ai pas. Ça va, Fanny? Bon. Alors là, la voiture est moins puissante. Regarde Antonin, j'y arrive hein. Bonne trajectoire. Mais elle est trop puissante la voiture. Non mais là, faut qu'ils arrêtent les autres. Hein. La preuve hein, que les Nissan ne sont pas devenus de route. Hein. Enfin, je crois que l'autre, c'est pareil, il a une Skyline. Les Skyline n'ont pas une bonne tenue de route.
La preuve, hein, c'est même le bot, il me fonce dans le derrière, quoi. Et encore, c'est pas la première, ça. Oh, punaise. Allez. Au message, je fais une petite pause. Alors, il y a aussi Verstappen qui progresse en mode conduite manuelle au lieu de... Ah d'accord, ok, bravo Viva. T'as report fait des lives au fait, Viva. Ouais, vous suivez plus la Formule 1 que moi, quoi, les gars. C'est ça qui est. Au début des années 2000, je regardais quand c'était Alonso. Quand Alonso il était sur Renault. Ouais c'est ça, avant qu'il passe chez Ferrari. Et là ça a bien changé hein. Ah, c'était ça, c'était Alonso, il y avait Michael Schumacher encore. Donc ça date hein, depuis j'ai pas revu la Formule 1 et pourtant j'aimais bien voir ça. Trophée Andros aussi c'est bien. J'aime bien tout ce qui est sport. Donc, j'oublie que j'ai des freins sport, j'ai des pneus sport. Voilà. Allez! Pourquoi je suis en moins 1, j'avais mis moins 2 l'autre fois. Enfin tout à l'heure, c'est pas l'autre fois. Je vais interrompre le petit message. Alors, pas pour le moment, j'en refais un. Ouais, ok, n'hésite pas à me dire. Bah de toute façon, je suis abonné à ta chaîne, hein, mais bon. N'hésite pas à me dire parce que je suis abonné à tellement de chaînes que je peux zapper. Donc, mais bon, moi ça m'intéresse de te voir tes lives quoi. Pareil le jour Antonin si tu fais des lives faut pas hésiter à me le dire parce que j'ai vraiment envie de voir comment tu joues. N'importe qui d'ailleurs, hein, tout joueur de Gran Turismo Sport, n'hésitez pas à partager une chaîne YouTube ou Twitch pour que je puisse vous regarder en train de jouer. Je vais être pause toujours à chaque fois alors. Mets un coup de frein à main pour partir en. Ouais, mais le problème c'est qu'elle est trop puissante quoi. Là, moi je vais pas gérer. Hein. Elle est trop puissante la voiture. Alors. Je me disais que quand je ne live pas. On fait le live, on fait tous les deux. Ouais, mais le GT. Le problème c'est que le GT. T'as pas le PSN. Il faut pouvoir jouer. Faut avoir le PSN. Drift, ouais mais en drift c'est chaud quoi. C'est des pneus, je veux pas moi. Attends, je vais essayer. T'as vu un peu le drift avec une voiture qui tient pas la route? Non, c'est pas possible. Tiens, non, franchement Antonin, faut que t'essayes pour voir. Là encore, je l'ai pas boosté à fond quoi. Elle est pas à fond au niveau de sa puissance. Mais c'est une voiture qui peut être très puissante. Mais qui n'a. Enfin, la tenue de route, c'est une horreur sur ce modèle de voiture. Et. Je sais pas. Soit il faut privilégier la tenue de route. Bah non, faut pas la mettre trop puissante de toute façon. Mais pour la faire drifter, celle-là, c'est chaud quoi. C'est pas comme la. La Nissan GT-R. Hein. La Nissan GT-R, c'est vraiment une bagnole qui est nettement mieux. Enfin, plus sympa au niveau de l'adhérence.
Et encore, c'est pas la pire, hein, le Nissan Skyline. Le modèle d'avant, c'était encore pire. Alors. Ah ouais, bah ouais, pas de souci, ouais. Ouais, pas de souci. On peut faire ça, effectivement. Mais ça, pour ça, mon cher, il va falloir qu'on. Bah, même avec Antonin, avec tout le monde, hein. On peut faire un mode partie, je peux faire un mode partie avec, avec les follow. Eh, tu fous pas tes crottes de nuit sur le canapé, toi. Mais ouais, on se met en vocal et puis on se fait ça quoi. Ça peut être sympa. Il faut qu'on se, faut qu'on se trouve un créneau, que ce soit le week-end ou en semaine, où tout le monde, enfin, s'arrangerait tout le monde quoi. Ah, j'ai mis un petit coup de frein à main. Nissan Skyline. Vous passerez la conduite dans le bac à sable. C'est dommage, elle est bien comme voiture. Alors. Alors attends. Il faut freiner avant de donner un coup d'accélérateur à main. Ah, sérieux? Attends, parce qu'en fait, moi je sais pas trop, je joue pas trop avec le frein à main, c'est pour ça. C'est. J'ai jamais trop joué avec le frein à main parce que justement c'est une erreur. Donc en fait, toi tu penses il faut d'abord freiner, accélérer et redonner un coup de frein à main. C'est ça. Je connais pas le principe, hein. Le drift. La semaine prochaine, ok, pas de soucis, Viva. La semaine prochaine, de toute façon, ce sera, ouais, ça peut être un soir. Je fais pas de live et on fait ça parce qu'au final, la semaine prochaine, je vais être occupé l'après-midi. Ouais, bah, carrément. Ouais, faut prendre en main, je pense. Mais depuis le temps que je joue au jeu de caisse, je sais pas si je vais réussir. Mais peut-être que, ouais, faut que je le travaille. Mais avec une voiture peut-être un peu plus moins puissante, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que la puissance, on doit avoir une voiture assez puissante pour faire un drift correct ou n'importe quelle bagnole, ça marche. Parce qu'à la rigueur, je vais commencer plutôt avec une voiture fermée, mais prendre mise en main avec une voiture pas très puissante, quoi, pour connaître le principe du drift au frein à main. Bon, alors, attends, je vais mettre juste pause pour voir vos messages avant de. Faut avoir une voiture assez puissante, mais pas trop non plus. Ah ouais, d'accord. Tu penses combien en chevaux? 500, 400 chevaux maxi, enfin en moyenne, minimum. Alors toi, t'as envie d'acheter un volant pour du GT? Ah ouais, oh punaise, c'est le top. Le problème c'est que les volants sont pas compatibles avec les consoles, parce que moi aussi ça me tente d'avoir un volant, surtout que je pourrais jouer à GT Sport en mode VR. Le problème c'est que j'ai déjà un volant PS3 qui sert uniquement pour Gran Turismo. Juste pour deux jeux, enfin non, je pourrais peut-être qu'il pourrait servir à d'autres jeux, mais bon. Mais ouais, racheter un autre volant, ça ferait mon troisième volant quoi. J'ai acheté un volant sur PS1, bon PS2 j'ai pas fait, et j'ai un volant PS3, si j'ai un volant PS4, j'en fais la collection quoi. Et ça prend de la place ces conneries là. C'est ça le problème, les volants, ça prend trop de place. Allez là! C'est vrai que Grand Theft avec un volant, c'est vraiment sympa. Formula One, je sais pas, j'ai pas test. Mais Gran Turismo, ça peut être sympa. Enfin, c'est sympa. Donc ça peut, c'est que c'est sympa. Surtout en mode de cockpit.
0. Hop, petit message. 350? Bah non, je veux pas revendre les autres, Antonin. Parce qu'au final, bah la PS1, j'en ai racheté une. Et si je veux rejouer à Gran Turismo 1, même à V-Rally, je jouais avec le volant à V-Rally. Mais si je veux jouer à un jeu de bagnole sur PS1, parce que j'ai tout gardé, je fais comment? si sur PS5, à la rigueur, si elle est rétro-compatible le jour où elle va sortir, apparemment ils parlent de rétro-compatibilité, donc là effectivement je pourrais vendre mon matos. Mais voilà, les autres, ça j'ai tout gardé quoi. Non, faudrait que j'ai une plus grande. Faudrait que j'ai une plus grande. C'est là. Je vais attendre la ligne droite. Alors. T'as la PS1 en temps? D'accord. Tu les fais gagner. Je peux la. Tu peux te lâcher. Merci. Non, je prends pas pour. Oh, je suis pas radin, moi je. Là encore, j'ai fait des cadeaux la semaine dernière. Non, hier. J'ai fait des cadeaux, mais c'était pour ma dame et moi. J'étais d'humeur à faire des cadeaux hier. Bah, j'aurais acheté des trucs. Mais ouais, je suis pas radin. Sinon, des fois, j'offre des abonnements, même quand. Comme ça, quand une vache qui pisse, des fois, j'offre des abonnements à ma chaîne Twitch. Mais ouais, le truc, non, l'idéal c'est d'avoir. Enfin, moi c'est vrai que j'aimerais bien avoir. Vraiment une pièce dédiée au gaming et tout ça, mais bah, là où je vis actuellement, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de pièces. Puis, je sais pas Antonin, mais je pense que si je te les cède et que tu me les prêtes, punaise, mais j'ai refait mon coup l'autre fois. Bah tiens, c'est parfait. Je pense pas qu'on habite l'un de nos près de l'autre, ça va être compliqué. Genre, va falloir faire des kilomètres pour que j'aille récupérer mon volant. Oh là là, la catastrophe! Je suis un pilote du mercredi. Alors, faut bien économiser de l'argent. Effectivement, c'est important d'économiser. D'accord, tu veux te faire du. Ah, tu veux te faire de l'argent en fait, Antonin. Tu veux faire de la location, c'est ça? Ouais, c'est ça, il veut faire de la location. Il veut louer des volants. Attention, moi c'est des. Enfin, il y en a un, c'est un vieux volant, hein, parce que je l'ai eu en 98. Hein. L'autre, je l'ai acheté, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. C'est sur PS3. C'est le jour où j'avais. Oh, je sais pas si je dois vous le dire. Hein, que j'avais conduit une supercar. Ça m'a donné envie après d'acheter un volant pour faire comme si je conduisais une vraie voiture. Dernier tour. Ouais, c'est magnifique. Ouf. La papoche. Ouf. La chante 98. Ah
Oh, tu peux dire ouais les trentenaires. Ouais, c'est peut-être plus les trentenaires à la rigueur. Quoique non, parce qu'au final qui avait la console? Je crois que c'est Vivi. J'ai un follower. Et ben il a joué à la PS1 de ce qu'il disait de 2009, je crois, ou 2008 à 2000. Ouais, il a joué 7-8 ans à la PS1. Donc ça l'aurait intéressé. 98. Ah ouais, ça c'est quoi 98? Ça c'est un truc de Belgique ça. 98 ça. Viva. C'est un truc belge. Et nous, 98, nous on n'a pas ça. Hein. C'est pas un timbre. C'est pas un timbre qu'on a chez nous. 98. Mais j'ai vu ça, c'était quoi? C'était une émission sur YouTube. Une émission de jeux français. Je crois que c'était Le Juste Prix. Et il disait justement 98, 96 et tout. Et ça devait être quelqu'un de chez toi, c'est obligé. Parce que nous, on n'a pas. On dit pas. On dit 98, nous, on dit pas. Mais effectivement, il y a des régions, ils disent 90. Et je voudrais savoir, c'est vraiment Belgique qui dit ça? La belle. Non, moi, je veux de la bière. La bonne bière belge. C'est bon, la bière belge. Mais ouais, 90, ouais, ça me parle, ça. Ça me parle, mais c'est pas un terme de chez nous. Ah, mais non, c'est Wizbot. Faudrait que j'ai des messages pour me prévenir que c'est Wizbot qui écrit. Ouais, mais non, mais c'est dégueulasse. Non, mais là, c'est de la triche. Non mais vous avez vu? Eh Antonin, tu vois un peu, même l'ordinateur il s'est pas freiné avec une Skyline. Quand je dis que cette voiture là, il faut beaucoup de distance de freinage, c'est que je m'emporte parce que depuis 98 que je le. Celle-là encore ça va, la petite GTR à côté, elle freine bien. Carrossier qui va être content, il aura du boulot. Ah, il sera les carrossiers de chez Nissan, ils seront jamais au chaume du avec des Skyline. C'est obligé. Ah oui, je suis encore un peu jeune. Oh, merci Antonin. Eh, je prends ça pour un compliment. Franchement, ça me rassure parce que moi, tout le monde dit que je suis vieux. Donc, pour la bière, ouais, pour la bière. Alors, 14 298 après le mec. Ah, mais toi, attends, attends. Attends, Viva. T'as vu l'émission de. Tu connais l'émission? Tu l'as vu l'émission du Juste Prix? Même si c'est triste. Attends. Le Japon. Explosion nucléaire. Ouais, mais ça c'était il y a longtemps ça. L'explosion nucléaire. Par contre, là, il y a un truc qui pue là au Japon, en Asie même. Je pense que vous êtes au courant là du. Il y a un virus qui se trame en Chine et puis qui a atteint le Japon et la Corée. Moi, ça me fait bien suer, hein, franchement. D'ailleurs, je sais pas si
Vous êtes en alerte. Est-ce que vous êtes en... Est-ce que la Belgique a déclenché une alerte pour ça, justement, de contamination? Parce que nous, en France, ils ont déclenché quelque chose. Hein. Il roule bien la voiture. Ah. T'as adoré cette émission? Ah oui, bah moi je l'ai vu sur YouTube, hein, mais ouais, il y a un virus. Ouais, bah ouais, nous on nous a. Bah tu peux essayer. Antonin, je te dis à la rigueur, ouais, j'ai mon cousin qui revient de Chine. C'est peut-être mieux, ouais. J'ai mon cousin qui... Il y a une ville, hein, particulièrement, apparemment. C'est une ville qui est très touchée. Donc tu dis que t'as un cousin qui revient de cette... Enfin, pour les dispenses de sport, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que ça marche pour la dispense de sport. Par contre, le cours de français et de maths, je sais pas. Mais le sport, ouais, parce que c'est un problème respiratoire. Donc ouais, tu dis que t'as ton cousin qui revient de la Chine, là... Il est peut-être porteur du virus, donc tu es en quarantaine et puis voilà. Ça se trouve, ça peut marcher, hein, parce que j'en ai vu moi des vertes et des pas mûres. Hein. Bon, c'était au lycée aussi. Mais je peux vous en raconter des pas mal. Et c'était bien marrant. Ouais, voilà, en quarantaine. Non, mais non, Viva. Non, je suis fair play. Puis regarde, c'est pourquoi j'aurais triché, je suis toujours premier. Non, je vais pas tricher. Puis là, tu vois, il reste plus qu'encore un tour. C'est vrai que cette voiture-là, c'est pas ma préférée, honnêtement. Elle est super. Enfin, elle est bien, elle est puissante, mais à chaque fois, je finis la course, elle est toujours démolie, quoi. On va croire que je joue à Destruction Derby, mais non, c'est pas vrai. Hein. Alors. Bah, je sais pas si j'en ai eu, moi. Je sais que... mais je me rappelle plus, moi, ça fait longtemps. Mais une fois, je devais m'acheter des vêtements pour une fête de famille. Et du coup, je crois que j'avais dit que j'avais convention familiale. Voilà, c'est ça. C'est peut-être le pire. Pour aller faire les boutiques. J'aurais pu le faire un autre jour. Mais au final, je suis pas au lycée pour ça. Sinon, le pire, enfin, aux yeux de mes parents, c'était que je suis pas allé en cours parce qu'il y avait personne qui était présent. Et c'était vrai en plus. Par contre, j'en ai des pas mal de la part de mes camarades de classe. Et ça passait. Le pire, c'est que ça passait aux yeux du conseiller principal d'éducation. Ou c'est plus. Ça dépend. Je préfère le dire en entier au cas où. Et ça passait. Le pire, c'est que ça passait. Et les mecs, ils étaient. Mais par contre, ils avaient la notoriété de balancer des jeux de mots bidons, quoi. Mais il y en a un, il était... Je crois qu'il a surclassé tout le monde. Et il m'a bien fait rire quand il avait dit ça. Alors. Pas une mauvaise, mais un pote a mis... Bon. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, moi il y a eu en gros c'était au lycée, deuxième année de lycée en bac. Donc forcément on était tous majeurs, donc on venait avec nos voitures. Et le gars il a osé dire qu'il a pas pu. Il est arrivé en retard parce qu'il y avait le chat de la voisine qui était sur son capot, il voulait pas le réveiller. Voilà. C'est le pire mot de justificatif de retard.
J'ai pas pu venir plus tôt parce qu'il y a le chat de ma voisine qui dormait sur le capot de ma voiture. Donc, j'ai pas osé le réveiller. 2 heures de colle. Oui, c'est passé sans problème. Le pire, c'est que c'est passé. Le CPE a dit convention familiale. Voilà. Tout. En fait, on était une école convention familiale. Parce que même moi, j'ai dû y aller quand pour justifier mon absence. Enfin, non, j'ai anticipé. En gros, j'avais dit je vais pas pouvoir venir parce que je dois aller faire les boutiques, je dois m'acheter des vêtements. Ouais, pas de soucis. Donc en gros, non, j'ai dit ouais, faut que je m'achète des vêtements. Qu'est-ce que je mets, ça rentre pas, c'est pas un décès ni pas machin et tout. Je suis pas malade, on va mettre convention familiale. Donc c'est passé. On était la seule classe où on avait la réputation d'être absent pour convention familiale. On avait dépassé les bornes. Et je crois que ouais, c'était la première année, puisque la deuxième année, on nous demandait d'être moins en retard ou moins absent. Mais ouais, le coup du chat, ouais, ça a passé sans problème, hein, comme d'être à la poste. Et c'était un lundi matin, hein. Le mec, il a dû faire la Java et tout. Mais ça, c'est en bac. Hein. En fait, faut le faire quand vous êtes majeur. Vous avez la responsabilité de réussir ou pas vos études, quoi. Alors, Volkswagen. Ah, il y a des nouvelles. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? La petite Golf GTI? Ils ont pas, ils prennent rendez-vous avec tes parents. Ouais, mais attends, Antonin, c'est parce que toi, tu es dans le secondaire. T'es pas dans le... Enfin, t'es au collège. C'est peut-être pour ça. Tu me dis s'il y a une voiture que tu veux voir, hein, Viva. Je savais même pas que j'avais là. Oh, elle est trop belle, celle-là. Mais au collège, non, tu peux pas trop. Hein. Au lycée, si c'est un lycée privé, public, ça passe comme lettre à la poste. Hein. Les absences et tout, ils s'en foutent. Ouais. Bah, après, tu verras. Quand tu seras au lycée, si c'est un lycée public, tu pourrais être en vacances. Enfin, en vacances, ouais. Tu peux être absent ou en retard. Ils vont pas te faire suer. Mais faut pas que ça soit trop fréquent. Genre tous les lundis matins, parce que nous c'est ce qui se passait. Hein. Tous les lundis matins, ils étaient absents, hein, les mêmes. Voilà Vision. Wow, il y a des belles caisses là. Ouais, c'est du lourd ça. Hein. Elle est belle. Hein. Viva, tu voulais voir un modèle particulier sur les Volkswagen? C'est une fois en arrière et histoire. Non, c'est pas ça. C'est ton avenir. Après, ça, qu'est-ce que tu veux voir Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu veux Tu veux faire quoi, Antonin, plus tard comme métier? Alors, tu veux quelle année, mon cher Viva? Ah ouais, c'est vrai que c'est des longues études. Bah écoute, si t'as l'opportunité, faut le faire parce qu'après, quand t'es dans le domaine de l'emploi, t'es en poste, c'est foutu quoi. Et ça va, tu gères ces matières-là? Alors Viva, est-ce qu'il y a une année particulière que tu veux voir dans les... l'époque en 2003. Ok, d'accord, ça marche. Message reçu. 2003. Et c'est qu'il y en a des années. Ça va peut-être être plus rapide comme ça. Voilà, donc on a la fusée. Je vois pas le lien avec la
Bah, Volkswagen. L'année dernière en maths avait 19. Ah ouais. Ouais, non, mais ça. Donc, au final, t'as des notions en maths. C'est l'enseignement en. Comment ça s'appelle en... Enfin, c'est. Ouais, la méthode d'enseignement qui te correspond pas. T'en as dit. Non, sérieux, t'es né en 2003. Oh, c'est mignon. Attends, ça veut dire que tu vas avoir 17 ans. Ah, la vache. Eh, hey, tu sais quoi, Viva? En 2003, je fêtais mes 20 ans. Ça me vieillit, punaise. Ça fait 16 ans, quoi. 17 ans. J'avais 20 ans, là, cette année-là, moi. Je fêtais mes 20 ans. T'en as une naissance, tu rends. Vous vous rendez compte? Je suis un daron à côté. Oh la vache, vous avez de la chance, 2006. Bah j'espère que vous allez en profiter quoi les gars. Viens. Ah oui, oh, punaise. Le cheval de l'herbe. Donc en 2003, on a remarqué que les chevaux mangeaient de l'herbe. Par-dessus la clôture. Là après, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient de lâcher une caisse. Et là, ça y est, il y a le mot SARS qui vient de sortir de ses fesses. Alors. Ouais, j'ai 36, je vais avoir 37 cette année, effectivement. Là, on vient de découvrir qu'au final, bah, la forme du crâne, c'était comme ça. Là. Ah bah non, 2004. Eh, on va aller en 2006, tiens. Antonin, on va voir ce qui se passe en 2006. Alors, en 2006, il y a Mozart qui est mort. Pour la 250e fois. On a quelqu'un qui est paralysé et du coup les supporters ils sont en train de le transporter à l'hôpital. Là on voit que les horloges mondiales ne sont pas à l'heure. Là on voit que pour naviguer sur un nacelle il faut porter des lunettes. On remarque qu'un petit oiseau blanc ça vole bien dans un ciel bleu. Et que bah, les Japonais, enfin les Asiatiques, avec une chemise blanche, c'est toujours plus classe avec une paire de lunettes. On compare que bah, la voiture rouge comme la voiture bleu-gris, ça roule aussi vite. Et voilà. Sérieux? C'était... Je prenais un peu exemple sur une émission qui passait sur Canal+, s'appelait le Groland Sat. Je sais pas si vous avez connu cette émission-là, mais c'était ça quoi. Ouais, carrément. Eh, on va aller voir. C'est mon année de naissance. Allez, allez, ouais, mon année de naissance. Allez, hop. Vous allez rigoler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis un petit peu près, mais bon. Alors, je suis pas né en 1936. Hein. Même si je suis vieux, je suis pas aussi vieux que ça. 2020, je sais pas si ça existe. Hein. Alors, en 1983, on remarque que bah, les Africains, il faut qu'ils aient des t-shirts rouges pour qu'ils courent plus vite. On a remarqué aussi que les portières arrière, ça pouvait aussi s'ouvrir d'une autre façon que les portières avant. On a un chanteur qui a un problème au niveau des. C'est Michael Jackson. Je pense qu'il était constipé lors de son concert. Et c'est tout. Que ça? Et que ça? On va aller en 2020. Peut-être des choses, mais. La clim, ça marche pas. Bon, allez, on va aller en 2020. Mais je sais pas s'il y a en 2020, hein. Non, on peut pas, tu vois. C'est 2014. Attends, ah si! 2016. Non, rien en 2020. Y a rien en 2020. Y a rien en 2020. Pour la voiture. Ah oui, ouais, d'accord, ok, effectivement. Il faut rouler les portières, le coffre et les. Voilà, toutes les portières et le coffre ouverts pour avoir la clim. Alors, bah non, il n'y a pas 2020, je suis désolé, hein. Enfin, c'est Grand Turismo qui est désolé. Ouf, bon, c'était le côté défouloir, hein.
C'est marrant, hein, le petit musée comme ça. Merci beaucoup, Viva, de nous avoir emmené vers cette petite merveille. On va peut-être faire quelque chose de moins drôle là maintenant. Ouh, elle est pas mal comme voiture, ça. T'as craché ta bière? Ah mais j'ai pas demandé à ce qu'on crache dans la bière, hein. Alors mission, j'y arrive pas moi. J'ai bloqué. Je vais réessayer. Je suis quelqu'un qui n'en veut, même si je suis quasiment sûr que je peux y arriver. Goidag. Alors, Goidag. C'est ça, ça se dit bien. C'est bien, on apprend tous les jours. Bon, alors là, par contre, c'est chaud. Je sais pas, est-ce que vous avez réussi cette épreuve-là, cette mission? Bah, flamand, ouais, ça peut marcher pour les meufs, ça. Attends, je vais essayer avec la mienne, Fanny. Goidag. Je vais dire bonjour. T'es charmé, non? Ah non, ça marche pas avec les meufs. Enfin, moi, la mienne, en tout cas, elle s'en fout complètement. Et c'est du flamand. T'aimes pas le flamand? C'est beau, le flamand. C'est une belle langue. Bah, au final, ouais, t'es à fond dans ton jeu, quoi. Ah ouais, j'ai remarqué ça. Non, j'arrive pas, c'est une horreur. J'arrive. Eh mais là déjà de jour ce circuit là il est balèze. Mais de nuit. Peut-être que je mette. Tant pis. Redémarrer. Alors, oula, il y a du texte. Ouais, elle est chaude celle-là, hein, c'est trop balèze. C'était 5, ouais, je vais essayer. Je vais essayer de. Que j'ai craché. Et si. Oh, tout de suite, c'est de ma faute. Mais tu sais, faut pas ouvrir la bouche, hein, c'est pas grave, hein. Si ça sort par le nez, c'est pas méchant, hein. Mais c'était pas dans mon intention, hein. Je suis désolé, mon cher. Mais ouais, il y a des fois, ça m'arrive, hein, de balancer des conneries comme ça peut faire rire, bon, ça fait. Bon. Mais là, je sais pas. J'ai passé une journée éreintante aussi. Éreintante, mais positivement, par rapport à hier, c'est pour ça. Là, au moins, j'ai mis à CT5, hein, Antonin. Merci beaucoup pour l'info. Par contre, j'ai pas mis au niveau du freinage, parce que comme c'est du rallye, mais c'est chaud, hein, honnêtement. Je suis bloqué sur cette piste-là. Je vais faire un peu de permis de conduire. Mais il va se faire redoubler lui ou quoi là? J'arrive pas à gagner sa place, quoi. C'est chaud de faire cette place là en un tour.
Non, c'est mort. Alors. Ouais, c'est vrai que toi tu gères. Non, après, c'est vrai que Viva, il est pas mort. Alors, oh, il va devoir dédommager. Une autre canette. Ouais, mais par contre, nous, les services postaux en France sont très. Enfin, surtout de mon côté, ils sont tellement speed que si y a un truc gazeux, bah, il sera encore obligé de réessuyer quand il va ouvrir sa canette. Donc, je sais pas. En plus, elle sera pas fraîche. Ce serait ballot. Quand je vois des fois il y a des colis que je reçois, heureusement qu'ils sont bien emballés parce que. Mais ouais, si tu as la médaille d'or, Viva, si tu l'as fait, si tu as décroché la médaille d'or, faut me dire si tu l'as fait en live. Sinon, je m'en fous, si t'as décroché la médaille d'or, tu me feras le plaisir de refaire un live pour la redécrocher à nouveau. Parce que là, franchement, je galère. Honnêtement, pourtant, la voiture, elle est pas si dure à manipuler que ça, hein, mais c'est chaud, quoi. Le circuit, il est trop. C'est dur à appréhender, quoi. Hein. Après, c'est de l'entraînement, ça va venir. Hein. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas, mais c'est pénible. Non, mais mince, mais pourquoi je tape là? Ne me double pas, je vais te redoubler après, mec. Non, mais c'est chiant, et en plus de ça, ils reviennent. Ça me double et puis après ça freine. Bah ouais, mais non, c'est pas possible. Ils sont tous de mèche de toute façon. Non, c'est foutu. C'est foutu. Foutu. Ah, une seconde première. Ah ouais. Ah ouais, donc tu l'as pas. Ah oui. Ah ouais, punaise. Non, mais ouais. Ah, vous étiez plus loin. Ah, vous êtes plus loin que moi. Vous avez mieux géré là, par contre. Vous gérez mieux que moi là. Je refais une dernière fois, puis tant pis, je repasse sur des permis. Parce que là, sinon je vais faire que ça. Mais ce circuit-là, il y est aussi dans le GT League, et franchement, j'ai galéré hein, pour gagner une place. Donc, ouais, je crois que c'était GT League. Donc, ce circuit de rallye, il est assez dur. Hein. C'est obligé que ça se corse au bout d'un moment. Ça va, Fanny? Faut que je vous sois premier.
On n'a pas le droit de faire d'erreur hein, dans ce circuit là. J'ai l'impression. Hein. Faut pas perdre trop de temps. Non, c'est foutu. C'est foutu. T'es troisième. Ah ouais. Bon, je vais laisser ça décanter. De toute façon, c'est foutu. J'aurais pas pu. Mais déjà, j'y arrive mieux que les autres jours. Donc, je vais pas trop m'énerver dessus. Je vais voir. Alors, j'y arriverai bien un jour. Mais là, je pense que ce soir, ça va être trop trop chaud. Je vais refaire un peu de permis au pire. Permis, j'ai été l'école de conduite là. Tac. On va voir ce que ça a donné là. C'est pareil, ça a commencé à se corser là. Non, pas encore. D'ailleurs, j'en ai repris d'autres hein, Antonin hier, je crois. Mais non, là justement, je sais même pas si j'ai les voitures, faut que je les ai. Ouais, je réessaye après si tu veux. Je fais la truc là d'abord, j'essaie de voir si. Mais j'étais en première personne, enfin non, j'étais pas en première personne, tu vois, j'étais. Mais je peux essayer, hein. Et moi j'ai moins de visibilité en première personne, c'est vrai que vu capot c'est mieux. J'ai perdu du temps là. Oh là là, nul. Je recommence. Je peux l'avoir, j'ai trop freiné. Merde! Pourquoi j'ai une pénalité là? C'est dégueulasse! Non, pénalité. Ah non, c'est chaud hein, quand même. Alors, SCT 3. Ok, sur 3. Bon, je fais d'abord 3, et puis si c'est pas 3, bah je fais 5. Tac, j'ai pas... Je suis déjà à 3, donc je mets à 5. Après, ça a commencé à être coton quand même. Voilà.
C'est. Je pense que c'était peut-être une histoire de freinage. Là, c'est bon, là. Non? Hop, ça y est, dans la popoche là. Deux. Non, bah ça y est, tu vois. Non, c'était 5. Et c'était une, le freinage que j'ai trop dosé. Fallait trop. J'avais trop freiné. Non, 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 non. Possible ça. Bon allez, c'est parti. 68%. C'est bizarre parce que il nous reste encore plein à faire après. En première cette fois. Eh, calmos. Du respect entre coureurs de Gran Turismo, hein, les gars. Ça? Non, rien, non. Il rigole. Bon, bah, c'est tout. Oh, bah, désolé. D'ailleurs, alors attends. Tu disais Viva la semaine prochaine, tu pourrais? Il faudrait. Quand est-ce qu'on peut se faire ça, les gars? On va essayer de se fixer ça là. Pour faire ça, des défis ensemble et tout là. Même si c'est des choses que j'ai déjà faites. Faut me dire un jour où... un soir où vous seriez... Ah, Antonin, je crois que tu l'avais fait ce truc-là. Pas Antonin, Viva. Oh, attends, c'était 5, c'était 4, ok. J'ai essayé le 4, on va déjà voir. Mais c'est ça qui est chiant, ça se remet à chaque fois à 0. Enfin, ça se remet toujours à 3. J'essaye à 4 et puis si ça marche pas, bah j'essaye 5. Mais je sais que Viva, t'avais réussi toi. C'est mort, j'aurais essayé. J'ai pas bien pris la trajectoire. Eh, nickel. Mais Viva, je sais que toi t'avais réussi aussi, donc au final la 5 ça aurait sûrement passé. Mais la 4 ça passe ici, donc bravo à tous les deux. Mais Viva il avait réussi, hein. Je l'ai vu sur son live. Donc la 5 ça passe aussi. Mais la 4 et la 5 passent. La 3 ça aurait été juste. Mais bravo, bravo à vous. Vous gérez bien. Yes. Mais ouais, faut que je la fasse au moins à 4. Faut que la SCT soit à 4. Y a pas photo. Et c'est chiant, à chaque fois ils la remettent à 3. Ils sont pénibles avec ça. La première personne. Bon bah je vais me mettre en première personne. Mais encore une fois, je vais pas y arriver. Enfin, j'ai plus de mal. Je peux y arriver, mais j'ai plus de mal. Je suis moins à l'aise en fait. Ça encore en VR ça pourrait le faire, tu vois, genre en VR j'accepterais cette vue là en VR. Bah oui, je me doutais. Tu vois, j'arrive pas, j'ai trop de mal avec la caméra comme ça. Je passe les reculs. Le temps à chaque fois. Attends.
Mais non, mais arrêtez les gars. Poster les pattes. Non, non, vous me donnez des conseils, les gars. On va sérieux. L'un comme l'autre, vous me donnez des bons conseils. C'est juste que là, la caméra première personne, j'ai du mal. C'est tout. Après, je le fais pour toi. Peut-être que ça te permettra d'étudier Viva. Pareil, Antonin, si tu veux voir une caméra, n'hésite pas. Mais moi, je sais que là, tu vois, j'ai du mal avec la caméra embarquée, j'ai du mal. Bah après, ouais, il veut peut-être les prendre, mais je sais pas si... Sauf s'il a la PS3, hein, mais... Alors, médaille d'argent. En troisième. Faut que je remette en troisième ? Antonin, toi tu penses aussi troisième ? En troisième, mais... Et c'est moi, hein. je suis pas à l'aise en fait. C'est vraiment la vue. Je vois pas grand chose en fait là. je vois pas grand chose en temps normal. Bon. Tu vas me retrouver récupérer ma play. On va couper maintenant, c'est ça. Nous à l'époque, on nous enlevait soit les manettes, soit les cordons d'alimentation de la console. Maintenant, c'est simple, il suffit juste de couper l'internet. Et là, par contre, ça fait suer. Oh non, j'arrive pas. Hein. Tu vois, j'arrive pas à Viva avec cette vie-là. C'est pas possible. Alors, je vais la refaire, mais en version vue que j'aime bien. On va voir, est-ce que je vais y arriver. Science Evil Junior, ça existe encore ça, Science Evil Junior? Je vais mettre en 5. Bon. Il est chaud celui-là. Hein. Ah ouais. Ça existe encore. Mais 4 et moins 2. Parce que moi j'ai acheté ça. Enfin, c'est mes parents qui me payaient ça. Quand j'étais adolescent, on m'avait acheté des Science et Vie Junior. Maintenant, j'avais racheté des Science et Vie, mais ouais, c'est version adulte quoi. Je savais pas que ça existait encore, Science et Vie. Ah, je suis pas loin. C'est pas mal le réglage là. Quelle heure il est là? Ah oui, il est 22h35. Hein. Bon, je réessaye, tant pis, c'est pareil. C'est con, j'aurais voulu faire une médaille. Eh, médaille d'or. Bon bah merci, c'était mon réglage. Bon, je vais faire une dernière fois Viva. Je vais retester le truc de rallye en première personne. Par contre après je m'arrêterai parce qu'il est déjà 22h35 et j'ai pas... Bon bah ça avance hein.
bizarre, 72, mais je suis qu'à l'intermédiaire, il y a forcément l'international après. Il y a où le pro? Bizarre qu'il y a, je suis déjà à 72%. Bon alors, je réessaye la mission là, mais j'y crois pas honnêtement. Ah, j'ai pas acheté ma Peugeot. J'achète une Peugeot. Je la fais en version première personne, Viva. C'est pas dit. On ne sait jamais. Hein. Alors, on faisait... Hop. Je vais redémarrer, essayer. Alors, attends, est-ce que je vois vos messages avant de recommencer. Alors, ok, allez, merci beaucoup Viva pour ton encouragement. Ouais, hein, alors. Salut Théo, bah ça va bien et toi? Nickel. Nickel, je suis en train de... J'écoute les conseils de mes spécialistes de Gran Turismo Sport. Alors déjà c'est mal barré, je viens de me prendre un muret. Ah mais c'est chaud quand même. Cette mission là. Non mais pourquoi il accélère pas lui? Trajectoire lui. Je les cogne hein, mais c'est pas grave hein, parce que c'est tellement dur. Merde non, j'aime pas quand ça... je prends l'extérieur. J'aime pas. Non, c'est foutu. C'est foutu. Alors, alors, quoi de neuf, Théo? Alors, c'est moi, le super. Non, c'est... Alors, je suis reconnu comment c'est possible. Oh là là, il y a trop de trucs là. De GT? Non, vous êtes mes formateurs de GT, les gars. Vous êtes mes coachs. Vous êtes mes coachs de GT. Voilà. Vous êtes en train de me coacher pour que je sois pro. Imaginez, hein, je roule comme un pro. Bon, bah là, c'est pas gagné, hein, mais bon.
de chouette. Je commence à bien appréhender le truc quand même. Si c'est pas ce soir que j'aurai la médaille d'or, mais ça sent bon quand même pour les jours à venir. Si je me cognais pas autant, ça irait mieux. Et là, j'y arrive. Là, j'y arrive pas. Je n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui... Oh là. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je réessaye une dernière fois, parce que ça marche pas. J'y arrive pas. Je vais racheter une Peugeot après. Pour info, hein, Viva, hein. Je suis en mode embarqué. Hein. J'y arrive toujours pas. Mais ça sent bon quand même. Mais non mais...
arriver. Le premier, il est... C'est pas possible. On est loin devant le premier. Dommage. Dommage. Sentait bon. Ouais, bonne nuit Antonin, merci beaucoup pour tes... Bah, pour ta présence. Merci beaucoup. Et puis bah, pour tes conseils et tout. C'est... Ça m'a beaucoup servi hein, au final. Je vais pas m'obstiner. Je suis deuxième quand même. Hein. Mais je sais pas, Viva, ce que toi t'en penses, mais je suis pas loin. Honnêtement, ça sent bon quand même hein, pour les prochaines fois. Ça sent bon la médaille d'or. C'est pas une chose impossible. D'ailleurs, je vois que t'étais troisième en fait. Il a réussi à te battre. Punaise. Mais il est chaud hein, celui-là quand même. Tout le monde n'a pas réussi. Hein. Quand je vois dans mes amis là. Oh la vache, c'est la seule médaille d'argent que j'ai quoi. Oh la tâche. Ça fait tâche hein, honnêtement. Après, il y a 8 niveaux. Bon, je vais acheter une Peugeot. On va acheter une Peugeot. J'ai pas vu d'ailleurs. Théo, il a pas répondu, non? Théo, si t'es encore là, n'hésite pas. Donner tes nouvelles. C'est pareil, je sais pas, on s'est pas ajouté sur le PSN. Je sais plus si tu jouais. Je crois que tu jouais à GT Sport. Ce sera un plaisir de jouer avec toi. On va se faire une session. Faut qu'on voit ça avec un Viva. Et faut qu'on voit ça avec Antonin pour qu'on se fasse un petit quelque chose quoi. Pour s'améliorer. 1 million, bah c'est parfait. C'est la seule qui me manque. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir faire une course avec. C'est quoi, c'est une. Ah, en plus, c'est marqué une PlayStation. Alors, par contre, c'est la 908. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire comme course avec. Est-ce que je peux faire une petite course en GT League? J'y crois pas. Hein. GT League, ça rapporte bien quand même. GT League. C'est du groupe 1. Groupe 1. Ah ouais, non, mais ça va être là, non, groupe 1. Groupe 1. 8 tours. Bon, j'essaye celui-là. À voir. On va découvrir. Ça va être une folie. Par contre, elle doit torcher la bagnole. Hein. Limite, elle va s'envoler. Puis après j'arrêterai parce que il se fait tard. Bugatti VGT, waouh. Tiens Viva, t'as joué déjà, t'as déjà couru sur des GT1, enfin des groupes 1 pardon. Alors paramètres, ah 710. J'ai d'abord amélioré la tenue de route. Bon bah j'améliore tout. Allez, on est fou. 951 chevaux. Oh, c'est pas bien, c'est pas beaucoup. Contrôle de traction, je vais mettre 4. Course dure, ça va être pas mal. Le freinage, je mets moins 1. Transmission, hop, 350. Je vais mettre à 300 chevaux, déjà c'est pas mal. Enfin, 300 chevaux, punaise. 300 km/h. Par contre, je me mets en vue comme ça. Hein. Oula, fais pot. Oula. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont plus légères.
maintenant. Complètement pas pareil que les sens de freinage. Alors, non, c'est Wizbot. Voilà, on peut pas s'endormir avec une mano comme ça. Puis en plus je fais bloquer les roues. Alors, ouais, je sais pas si je vais peut-être être parti dans 10-15 minutes, mon cher Viva. Parce que là, il est bientôt 11h et je me couche trop tard le soir. Donc, c'est pour info. Je préfère te le dire, hein. Si tu me vois pas en ligne, c'est normal, c'est que je suis couché. Et je reviendrai demain, de toute façon, au pire. Mais, c'est ça que j'ai. Je fasse attention au sommeil. Oh punaise, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas assez là en fait.
Ok, ça marche. Bah, t'arriveras pour la fin de la course, c'est cool. Tu sais, je disais à. Parce que on a des sondages, nous. Des fois, lors de l'entretien de notre véhicule par un concessionnaire, on a des enquêtes de satisfaction. Et moi, j'avais demandé de faire. Qu'il me prête en voiture de prêt, quand je laisse ma Peugeot, qu'il me prête la 908. Et je comprends pas pourquoi il refuse, parce qu'au final, là. La 908, je la conduis très bien, quoi. Pourquoi ils veulent pas me la prêter, la 908 chez Peugeot? Je suis un très bon client en plus, hein, j'ai toujours emmené là-bas. Je sais pas si t'as la réponse. Pourquoi les concessionnaires ils veulent pas laisser leur voiture de sport? Peut-être parce qu'elle est chère. Tu comprends pas? Non, ce que je disais avant de reprendre la route. Moi, une fois, j'ai laissé mon véhicule, ma Peugeot, j'ai une Peugeot, je roule en Peugeot, au garage Peugeot. En concession. Et à l'issue de l'entretien, donc c'était un entretien, contrôle technique, tout ça, j'avais un questionnaire de satisfaction. En France, ça se fait beaucoup. Je sais pas si en Belgique, ça le fait. Mais en France, ça se fait beaucoup, ça, les questionnaires de satisfaction pour améliorer la qualité des services. Et moi, du coup, à l'issue de ce questionnaire-là, en remarque, j'ai dit, bah, pourquoi pas laisser la voiture. Moi, tout était top, mais à la rigueur. Pourquoi pas avoir une voiture de prêt, une 908? Et ils n'ont jamais répondu. Donc c'est pour ça que je disais, ouais, là je la conduis très bien la 908, hein, il n'y a pas de souci, hein, je suis premier. Mais je rigole, hein, c'est des conneries. Hein. C'était un petit clin d'œil parce que. Jamais ils prêteraient une voiture comme ça. Mais l'autre fois, ils m'ont prêté une belle voiture. J'étais bien content. Mais c'est bien de. Bah, quand tout se passe bien, tu vois, quand je suis pas déçu, j'aime bien. Faire des petits clins d'œil comme ça. Parce que nous, en France, si mes souvenirs sont bons, on avait une pub notamment. Justement parce que la 908 était exposée dans leur. La pub, ça signifiait en fait, en gros, que la 900. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un couple de gens, je crois, de jeunes qui voulaient acheter une nouvelle voiture et ils demandaient à essayer, je crois, la 908 et. Où le gars il disait, bah non, elle est pas à vendre celle-là. C'était une pub de chez Peugeot. Je sais pas si vous avez les mêmes pubs que nous. Peut-être qu'on a des pubs en commun. Ah non. Enfin bon. J'ai peut-être du mal à me faire comprendre aussi parce que je suis un peu fatigué. Enfin ça, je vais arrêter après. Mais ça c'est en coupe 1, je sais pas si t'as réussi toi Viva. Les courses en coupe 1, t'as déjà test?
Bah ça y est. Je suis en groupe 1 là. C'est une voiture de groupe 1 là, tu vois. La 908, c'est une voiture de groupe 1. C'est... très bonne tenue de route, mais par contre, bah voilà, elle a une accélération de monstre. Hein. Et franchement, c'est super. Hein. J'aime bien. Hein. Tu t'ennuies pas. Hein. Elle est très très nerveuse. Si, j'ai même le 2, mais j'ai pas test. Mais Viva, vu que t'es sur Discord, regarde, tu vas voir, j'ai une liste de jeux. C'est pour ça qu'on a plein de jeux en commun. Regarde, vu que t'es sous Discord, je t'ai mis des rôles et tout. Tu vas voir, j'ai liste de jeux PS3, liste de jeux PS4, tout ça. N'hésite pas à faire ton curieux, hein. Ça va ouvrir une page de ton navigateur, parce qu'en fait c'est une page Google, c'est une page Word de Google où je recense tous mes jeux à PS3, PS4 et tout, et d'autres consoles. Donc n'hésite pas à faire ton curieux, parce que ça se trouve il y a plein de jeux qu'on a en commun. Le jour où t'auras ton PSN Plus, et bah ça se trouve il n'y a pas que Gran Turismo, on pourra jouer ensemble. C'est pour ça que j'ai mis un accès à ma liste de jeux à tous les followers qui sont sur Discord pour les spectateurs aussi qui veulent me voir streamer un jeu particulier. C'est ça pareil, je le demande tout le temps ça. Mais Project Cars, ouais, j'y ai joué longtemps. Hein. Mais c'est trop long, hein. C'est beaucoup de... Bah, si tu y as joué, tu vois bien, c'est beaucoup de courses en... d'endurance. Hein. Bon, bah là, je valide, hein. Franchement. Je pense que je vais continuer Je vais continuer ça demain, mais par contre, elles sont longues les courses. Hein. Ouais, j'ai Project Cars 2, il me semble. Oui, je suis quasiment sûr que je l'ai. Il y a plein de jeux. Et franchement, ce serait cool. Ah ouais, 220 000 points. Ah, regarde, 220 000 crédits quoi. Et 4200 points d'expérience. Bah, tu es sur Discord, Viva. T'es dans le serveur Discord, non? Ah, t'as le tel. Ok, attends. Est-ce que tu veux le lien du salon exact ou juste de mon lien Discord? Je vais essayer de faire ce que. Les onglets, parce que j'en ai plein en fait. J'arrive ici, j'ai la liste. À moins que. Attends. Attends. C'est plus simple. Ah merde, j'ai perdu le truc. Pour rejoindre mon Discord. T'envoie un lien. Je t'envoie un lien. Oh là bas. Ah attends.
faire un lien d'invitation. Partager le lien. Tac. Oh, attends, ce jeu, c'est comme je suis tout avec mon smartphone. Mais non, c'est pas ça qui est. Là, c'est le lien pour rejoindre. Attends, je t'envoie directement. Sinon, ce que je peux faire, je peux t'envoyer le lien en chuchotement. Vraiment, au pire, parce que je vais pas le mettre sur le chat. Je vais essayer de le mettre sur le liste de jeux PS4. T'envoie le lien là sur Twitch. Ouais. Tiens, sinon essaye ça. Essaye ce lien là. C'est le lien qui va directement sur le salon des jeux PS4. Uniquement PS4. Parce que j'ai fait un salon pour chaque console. Donc j'ai tellement de consoles que. Ça, c'est les jeux PS4. Je crois que j'en ai 47 ou 48. C'est pour ça, pour info. Il y a sûrement des jeux auxquels on aurait en commun. Tu me dis si ça marche? Si ça confirme? Ah, vous confirmez si t'as bien. Je vais faire un petit sauvegarde manuel. Tac. Ouais. La liste de jeux, en fait, quand tu vas sur le lien, dans le salon, tu as un lien cliquable. C'est un lien Gmail, attends, ou Sheet, un truc comme ça. Attends, je vais te confirmer vraiment, pour être sûr. Donc en fait, j'ai mis un message, il date du 12 avril. Pour avoir accès à la liste des jeux PS4, c'est ici, et tu as un lien en dessous. Http:/docs.google.com. Faut cliquer sur le lien et tu as toute la liste en détail. Parce que là, en fait, faut juste cliquer sur le lien. T'as la fenêtre de ton navigateur qui va s'ouvrir. Pas de panique, c'est normal parce que c'est un lien externe. Et t'auras accès à la liste. Donc après, c'est pareil, hein, PS3, PS4, c'est pareil. Faut juste cliquer sur le lien, tu laisses le navigateur s'ouvrir et t'auras accès à tous les liens. Vu que toi, t'as des rôles. Pour ça, faut être connecté sur Discord. Parce que si t'as pas les rôles, ben t'auras forcément salon privé. Voilà. Mais normalement, ça marche. Je vais tester de mon côté. Mais la liste est mise à jour. C'était lequel que j'avais testé. C'était. Mass Effect, ouais, il est dedans. Borderlands 3, je crois qu'il est dedans aussi, j'ai dû le noter. Ouais, c'est bon, la liste est à jour. Sachant que c'est les jeux que j'ai testés sur la liste, c'est pas tous les jeux, parce que j'en ai une flopée qui sont encore sous emballage. Mais là, c'est tous les jeux que j'ai testés. Sois pas surpris, un projet Cars 2, je sais que je l'ai, mais je l'ai pas encore testé, donc je peux pas. Tu trouves pas? Est-ce que t'es connecté? Il faut que tu sois connecté avec ton. Bah, avec ton profil. Je crois que c'est. Attends, c'est quoi ton profil déjà sur Discord? Ton profil, c'est Imateo. Il faut que tu sois. Il faut que tu sois connecté avec Mathéo 2003 YouTube. Si t'es pas connecté, ben t'as pas les rôles. Il faut avoir des rôles en fait. C'est vraiment.
Tu vas sur les trois flèches à gauche après. Attends. Les trois flèches à gauche. Discord. Les trois flèches à gauche. Non? Non, non, t'as juste à cliquer sur le lien. Quand tu vas dans le salon, tu cliques et t'as juste un message. T'as un lien qui est en bleu qui s'affiche. Même, je suis sûr que si tu cliques dans le carré. Ah non, tu peux pas. Faut vraiment cliquer sur l'écriture bleue. Après le 7 ici, deux points, t'as un lien et c'est. Faut cliquer sur le lien en fait, c'est tout. Mais t'as pas de flèche normalement. Les trois barres du Discord? Non, non, t'as pas trois barres. Tu cliques directement dans le salon. Si tu vois le salon. Bah si, tu l'as vu, de toute façon, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu cliques dedans. Faut juste cliquer, t'as pas besoin. Tu cliques sur liste jeux PS4. Normalement, t'as un petit cadenas, mais tu peux cliquer dedans. C'est le petit cadenas, c'est parce que c'est ouvert à certaines personnes. Quand tu cliques dedans, t'as juste un message. Tu peux rien écrire, tu peux rien faire. Tu peux juste cliquer sur le message pour ouvrir le lien. Donc le lien qui est après 7 ici et qui se termine par sharing. Les news de la chaîne et c'est gris. Tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Après moi c'est gris aussi, hein. C'est en gris. Il y a juste live Twitch vidéo qui est plus foncé. Non mais ça c'est normal, c'est parce que je l'ai mis en chuchotement, c'est vrai. Mais c'est normal, hein, tout est gris, c'est la couleur qui est comme ça. Mais sinon ce qu'on peut faire, parce que là je vais arrêter de toute façon, ce qu'on peut faire, on peut peut-être se parler sur Discord. T'es chaud pour du vocal là sur Discord dans 2 minutes? On peut se parler en. Parce que là, comme je suis connecté en ligne, je vais pas faire de la maintenance. Mais si t'es chaud, on peut peut-être se parler en vocal sur Discord. Ce serait peut-être plus simple. Ah, ok. Ok. Bah écoute, soit tu mets en mute et t'entends, soit on écrit en message. C'est pas grave. Au pire, je me mets en vocal. Je me mets dans un vocal, salon vocal, et puis toi tu m'écris sur ton. Via la messagerie Discord. C'est le plus simple. Parce que là, sinon. Là, j'ai vu qu'il y a des spectateurs qui viennent. Et au final, c'est la fin du live, quoi. On se tient. Ouais, en message, il n'y a pas de souci, à tout de suite. Bon, je suis désolé pour les spectateurs qui viennent d'arriver. C'est la fin de ce live. Malheureusement, oh, punaise, il est déjà 13h20, 23h20. Mais je vous invite à regarder le replay si vous êtes intéressé. Et sinon, à revenir demain vers 21h, pardon. 21h pour la suite des courses en G en groupe 1. Sur Peugeot 908. Voilà. Et ben je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et encore merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont participé sur le chat. Et je vous donne rendez-vous demain, oui, comme tout à l'heure, comme je viens de vous le dire, à 21h. Allez, bonne soirée, à demain.